alors je vais choisir le 407 coupé qui est juste ici, notamment, voilà. Ici s'affiche toutes les fenêtres motorisation, gamme. On va aller par exemple sur les motorisations pour savoir par exemple ce qui se fait donc, en diesel et en essence. On a la possibilité donc, de zoomer par exemple sur les tableaux. C'est encore un peu petit pour lire. Ouais. On va encore re-zoomer à partir de là. Dans le principe de l'iPhone, sans faire de publicité bien sûr. Voilà, vous avez toutes les caractéristiques donc, selon les motorisations et les finitions. Un petit peu de zoom arrière pour avoir l'intégralité du tableau. Voilà. Là, motorisation diesel. Voilà ce qui se fait en motorisation essence, notamment, par exemple. Ensuite, configuration, si on veut voir les couleurs, différents coloris de véhicule. Voilà. Tabelle en gris, aluminium, un bleu abyss, pas mal non plus. C'est toujours dans le même principe. Mais sur les intérieurs encore, on s'y croirait presque. Ouais. Voilà. Donc c'est le même principe pour tous les véhicules. D'accord. Vous pouvez choisir votre finition de l'intérieur, l'habillement des sièges. Ok. Ensuite, en termes de sécurité sur chaque véhicule, tout ce qui a trait à la sécurité, à l'environnement de chaque véhicule, voilà. Là, en termes de sécurité par exemple, est-ce que nous avons une petite vidéo, voilà, par exemple, sur le principe sur la fonctionnalité des projecteurs directionnels. D'accord, et pour revenir au menu initial, alors vous avez le zoom arrière toujours disponible pour revenir sur l'intégralité de la page, avoir une vision de la page générale, sinon, accueil, là sur le véhicule, ouais. Encore accueil, et là vous avez toute la gamme. Et là, comment vous la choisissez? Alors, comment la manipulation, vous droite, ça tourne par là, gauche, ça tourne de l'autre sens, au centre, on stoppe. Ça ralentit, ok. Voilà, exactement. Après, vous faites votre choix, tout simplement. D'accord. Et c'est un outil, vous dites, qui risque d'aller en concession, qui peut... C'est possible. A priori, c'est une possibilité, mais c'est une innovation, c'est une première mondiale en termes d'écran tactile de ce gabarit, de ce format-là. C'est une première mondiale que vous présentez sur ce serveur.